Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. On va prendre ça pour avoir de la place pour, en plus pour les armes. J'ai fait quelques missions, mais j'ai pas testé les persos. Hein, faut savoir que je n'ai pas testé les nouveaux persos, hein, que ce soit le guide Miss Kyoza, Teba et Yonobo, hein, qui sont les persos qu'on n'a pas testés. Je vais prendre ça, hein, je vais prendre tout. Ah oui, sachant que j'ai amélioré ma relation avec Firon, je crois. Ouais, je crois que c'est Firon qui m'ont donné des trucs, m'ont donné des cadeaux. Et juste, donc avant qu'on fasse la suite de l'histoire principale, du coup j'ai quand même envie de tester. Oui, déjà on va tester de donner des nouveaux combos. Hein. Non mais calmez-vous. Donc Akala sont contents. Oui, je pourrais améliorer la créature divine. On va améliorer les créatures divines. Hein. C'est un résultat admirable. Je peux regarder ce que ça faisait. On va prendre un nouveau combo. Très bien. Et du coup... non. Il est là. Non, bah non, c'est combat. C'est les combats. Entraînement du guide. Voilà, bon, il est niveau 41. Mais let's go. Let's go, on va tester. On va tester le perso. Sachant que, du coup, pour la quête principale, là, on a 4 personnages de dispo. 4. Sachant que Daruk est obligatoirement dans l'équipe. Bon. Soit. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est que je mettrai les 4 prodiges. Hein, on va jouer les 4 prodiges, comme ça au moins, voilà. Absorber le pouvoir antique des reliques, et j'ai pas lu la suite parce que j'ai appuyé sur le stick pour faire ça. Alors qu'en fait c'est pas le stick. Des reliques invoquées par vos attaques fortes. Alors que le roster de perso est de plus en plus grand. Ouais, mine de rien, voilà. De toute façon, je sens qu'on va avoir... Ok. Attends, deviens grand. Non mais deviens grand. Deviens grand. D'accord. Alors ça j'ai compris. Ça ce combo là je l'ai compris visiblement. Mais attends. Ah ouais. Ah je sens qu'il va me plaire ce perso. Ouais, bon par contre, les esquives, hein. Toujours les esquives aussi quali. Alors qu'il faut éliminer beaucoup de... Ah bah oui. Bien sûr. Le bam. Ouais, je te fais apparaître des sanctuaires, moi. Qu'est-ce que t'as? Y'a un problème? Alors, le spécial de base, c'est ça? Ok. Ah ouais, c'est en saut moral. Non, je veux... Au secours. D'accord. Ouais, il plane comme ça, quoi. Oh là là. Ah non, je sens que le perso va me plaire. Hein. Je sens qu'il va me plaire, ouais. Aïe. Aïe. Ah oui, il devient géant, ouais. Ah, attends. Bam. Non, mais... Il y a quelque chose... Ah oui, ça. Ah, mais attendez, c'est quoi ce truc en haut, là? C'est quoi les symboles, là-haut, là? Tout en haut à droite, en dessous de ma barre de vie. Comment j'active ça? Si je deviens grand... Non. Non mais non. Secours. Ah là j'ai activé un truc. Ah et là du coup j'utilise les reliques. Non mais au secours. Faut esquiver un jour.
Faut pas le bon bouton. Non mais un jour je comprendrai. Visiblement je peux activer les reliques et les utiliser quand je suis géant quoi. Si je comprends bien. Bam! Bam! Ouais. Bah c'est comme Impa, il fait des clones. Hein. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le perso. Hein. Non, surtout qu'il est agréable à jouer. Pour le coup. Aïe. Non mais par contre. Genre t'as d'autres combos que ça en fait. Ah! Non mais. Attendez, hein, attendez. Hein. Appuie sur ZR pour libérer le pouvoir antique absorbé et devenir géant. Mais c'est quoi? En gros, il faut que je fasse ça et ensuite que je devienne géant? Non? Non, je peux pas. Voilà, là je peux devenir géant parce que j'ai absorbé une relique. Ok. Mais est-ce que je peux... Non? Moi je voulais manipuler mes trucs en métal là. Alors celui-là j'ai compris. Ça c'est le 4, ça c'est le 2. Ça c'est le 3. Elles sont comment ces bombes d'ailleurs? Faudrait tester. Ça c'est le 1. Ça c'est le 5. D'accord. Bon, j'ai pas encore tout compris. Oui. Zup zup zup. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air sympa. Il a l'air sympa ce perso. Et anneau de l'éveil, ouais. Ok. Très bien. Bah nickel. Voilà. Ça c'était la découverte de Mischiosa. Voilà. Normalement le fond vert est réglé. Hein. Normalement là, on voit plus. On voit plus le fond vert. Putain, je peux aller. D'accord. Je peux aller loin. Alors que là, ouais voilà. Moins d'espace là. Hein. Bon. Très bien. Bon du coup on peut passer à l'action. Hein. Vous voyez l'équipe elle est déjà prête. Hein. Ah non elle est pas prête. Bah non. Mipha revient ici. Voilà. Je protégerai mes compagnons. Avec toi il y aura pas de problème. Let's go. Hein. Je pense que ça ira en termes de niveau. Je les ai fait monter avec ça là. Je les ai tous mis niveau 38. Au champ de manœuvre. Bon, ça m'a coûté quelques rubis, mais... Je m'en remettrai... On peut pas améliorer Mipha, hein, on est d'accord. Enfin, on peut pas améliorer nos prodiges, là. Ah, je peux améliorer Ivana Boris, attendez. Attends. Impressionnant. Bravo. Augmente la restauration automatique de la jauge de foudre. Ouais. Pas con, ça. Pas con comme idée, ça. Knack. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse améliorer nos prodiges là. Ok, bah let's go. Let's go pour la forteresse d'Akala. J'ai hâte de voir ça. Désespérément en infériorité. Et en plus, toujours aucun signe des renforts. J'imagine que c'est partout pareil. Mais tant qu'il y a une possibilité, un chercheur n'abandonne jamais. Et justement,
La probabilité que les renforts arrivent me semble élevée. Mon général! Une créature divine a émergé de l'eau, à l'ouest! Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Comment ils sont libérés des Yiga, eux? Joignant leurs forces, enfin, on sait pas pourquoi, mais... venus du futur, les prodiges combattaient avec ardeur pour repousser les hordes de gardiens et de monstres. Mais Hyrule restait plongé dans une guerre cruelle. Les soldats qui avaient fui le château lors de la résurrection du fléau s'étaient réfugiés à l'est d'Hyrule, dans la forteresse réputée imprenable d'Akala. Assiégés de tous côtés par des gardiens, ils résistaient avec la force du désespoir. Link et ses compagnons se hâtèrent vers la forteresse d'Akala pour leur porter secours. Ayant récupéré Varuta, Mipha et Sidon partirent devant pour ouvrir une brèche dans les forces ennemies assiégeant la forteresse. Allons-y! Et c'est parti. Bah du coup j'ai bien fait d'améliorer d'améliorer la créature hein. Ouais ouais salut hein. Ouais salut. Bonjour. Tout cassé. Et du coup bon du coup ça explique. La route de l'ouest a l'air dangereuse mais plus directe. Ouais. Bah let's go hein. Mais les points d'eau nous faciliteraient les combats. Ouais, 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 bah à gauche. Hein. Let's go à gauche. Hein. Ouais, 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 ouais. Hein. Voilà, tout cassé, on a dit. Tout cassé. Mais ouais, du coup ça explique aussi un petit peu quand même comment ça s'est passé au niveau de la tombée d'Akala. Après la chute du royaume du château, dans le véritable espace-temps. Là où il n'y a pas eu de gardien du futur. Les soldats ils sont réfugiés, sauf que les renforts ne sont jamais arrivés, puisque bah. Les prodiges étaient décédés. À cette heure-ci. Voire même, on peut imaginer que les créatures divines sont mises à bombarder la forteresse, quoi. Ça, c'est pas sûr. Pas clair. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Boum. Taisez-vous. Allez-vous-en. Ah, on est proche, ouais. On est presque, quoi. Bon, ça va. Pas si compliqué que ça, finalement. Allez, hein. Allez, hein. Bonjour. Non, mais par contre, il est sérieux, lui. Ah j'ai jamais utilisé ça. Ouais. Non. Cassez-vous. Cassez-vous. Quand même du monde là. Ils meurent jamais, eux ? Merci. Bah c'est bon, du coup. On y est. Nickel.
Une forteresse réputée imprenable, qui le dévoue des défenses de la région d'Akala et les riches sur les hauteurs, et dispose de nombreux canons. Ses alliés venus du siècle. Non mais, au secours. Allez-vous-en. Je sais pas s'il y a des éléments de lore intéressants là encore. On m'apprend à jouer, mais ouais. Saumuro, oui, super. Bon. Ah oui, sachant qu'il y a un truc, tiens, pour enlever les sauts sur les armes, j'ai vu. Il y a une amélioration qui permet de faire ça. Je crois que j'ai pas encore les compos. Je crois. Par contre, je suis déçu. Sur le sprite de Ruji, y a pas... Non mais au secours. Il n'y a pas Patricia. Je veux dire... La pauvre Patricia. On s'occupe des abords de la forteresse. Ne vous en faites pas pour nous, nous vous rejoindrons. Mipha, c'est à nous de jouer maintenant. Oui. Tu es si grand maintenant. Je suis heureuse de pouvoir combattre à tes côtés, petit frère. Moi aussi. Bien. Nous devons nous concentrer sur la bataille. Tu es prêt, n'est-ce pas? Plus que jamais. Alors, ouais, voilà. Incohérence, chef. Incohérence. Je veux dire, ça va qu'on la voit pas là-bas, hein, mais bon. Bon, du coup, voilà, Mipha qui s'est dédoublé pour ce combat. Alors toi, tu vas aller là. Ah, il manque Daruk, mais Daruk, il est obligatoire, donc... Non, Robosa, tu vas aller carrément là. On va jouer Mipha, de toute façon, pour l'instant. Sale bait. Je suis pas du bon côté. Ça commence, j'ai déjà pas du bon côté quoi. Bon, on va dire que Mipha y est allée toute seule et que c'est Sidon qui a pris les commandes de la créature. Hein? On va dire ça. Hein. Heureusement que j'ai pas pris Mipha et Sidon quoi. Petit corbeau. C'est important, je veux dire. Voilà. On est en guerre, d'accord, mais il y a des priorités, quoi. Qui m'attaque, là? Ok. Aïe. Pour l'instant, la forteresse n'est pas tombée. Hein. Mais du coup, a priori, elle tombera pas. On verra. On va voir. Ah bonjour vous. Salut vous. D'accord. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Bon. Oula. Les FPS qui ont eu du mal à suivre. En même temps c'est un peu l'apocalypse hein. Ah non. Ok. Et paf.
Ouais. Bon. Oh, vraiment. Voilà, merci. Merci, le point faible. Ok. Une armée de morts, là. Par contre, j'ai pas mené... Ouais. En fait, je voulais qu'elle aille là. D'accord. Merci Varuta. Ouais. Du coup, c'est elle qui va s'en occuper de là. Après, l'avantage d'avoir Mipha, c'est que je peux soigner mes alliés si jamais ils sont vraiment dans le mal, quoi. Bam. Mais... Pourquoi des fois quand je fais mon X, elle me propose de charger et pas tout le temps? Bam, 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 bam. Ah, il meurt. Ok. Bon, let's go, Revali. Bam. Encore une fois, hein, l'OST est sublime. Hein. Faut quand même le dire. Alors la question c'est, est-ce qu'il va y avoir des trucs à faire en bas? Ouais, laissez là. Hein. Ok. Je vous avoue que là, je suis juste en train d'écouter l'OSC depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'avoue que... Pas grand chose à dire, là. J'ai pas grand chose à dire, là. Là. Je suis juste dans la bataille. Bam. Non mais... Comment ça, Mipha? Ah. Bon bah d'accord. Voilà, bah, je vous l'ai dit, Mipha, elle va me soigner les gens. J'ai bien fait, hein. Du coup, si je n'avais pas Mipha, comment ça serait passé, là? Bon, je sais pas. Je sais pas. Non mais Urbosa reste par là, hein. Moi j'ai envie que tu me prennes cet endroit là. Et Revali, par contre Revali je sais pas. Revali je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il y aura un truc en bas. C'est sérieux ça? C'est vrai que c'est pas chiant de base un gardien. Hein. Autant lui mettre un élément en plus. Hein. Quoique attendez.
Voilà, du coup, pas de raison. Ça m'a pas suffi. Ouais, trop tard. Et meurt. Non mais il est full vie là, hein. Il est full vie, tu l'as déjà soigné, hein. T'inquiète, hein. T'inquiète, on gère ça de ce côté là. Oh là là, faut qu'il y ait déjà... C'était pas dans cet état quand on y allait la fois d'avant, hein. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est Mipha qui va s'en occuper toute seule, hein. Mais en même temps, voilà, hein, comme ils le disent, c'est elle qui a le pouvoir de guérison. Donc finalement... c'est pas du tout le prodige que j'aime le plus jouer, hein. Ah, trop tard. Bam! Kikorogu. Au passage, hein, on le prend. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'info? Non, j'ai pas l'info là sur... Oui, non mais d'accord. Champ de bataille. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai qu'on peut, voir ça quand même, aussi. Hein? D'accord, c'est pour me déplacer sur la carte. Mais non, je peux pas voir le nombre de Korogu de là. Attendez, hein. Bon, Revali, Revali revient. Revali revient ici. Tu peux aller là en fait même. Mais là en vrai, vraie question, parce que là il me dit servez-vous de Mipha pour aider les soldats. Ou alors c'est juste le fait qu'elle puisse les soigner qui a en plus que j'ai Mipha. Mais enfin, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui se passe si j'ai un autre perso là. Mais bon, je pense pas que ça change grand chose en réalité, hein. Mais voilà. Ceci dit, c'est toujours sympa. Comment ça? Ah. Bon, ok, Urbosa. Ok, Urbosa, c'est un peu la merde. Aïe. Bon. Reprends ta vie. Et là, ça aurait le tuer. Ouais. Ouais, c'est le death kill. L'animation de finish. Ok. Ah. Ouais, ouais, on a soigné le... Ok. Ah.
Alors Mipha, tu restes là. On va prendre Urbosa. Parce que là j'ai peur que ce soit un peu la merde. Trop tard. Ah et ça y est, et là du coup l'endroit où elle était, forcément c'est le moment où ça agit quoi. Ok. Puis on va changer de plan. Non tu meurs on a dit. Hop, toi tu vas là. C'est quoi tout ce mouvement en bas là? Attendez, attends, 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 attends. Non, au secours. Gardien, 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 gardien. Ouais, ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Toi, toi, ce serait bien de te bouger. Hein. Aïe, aïe. Ah vraiment, le coup de pied quoi. Aïe, aïe. Ouais. Maintenant c'est là. Non mais retourne là-dedans. Ah ouais mais c'est un gardien qu'il y a là-dedans. Ah bah oui c'est le fameux gardien de... Ouais, ouais super ouais. Ça va être la merde en vrai. Je sens qu'on va se prendre 12 gardiens dans la base. Il est où le boss du fort? Ouais. Si j'utilise ça. Et salut. Ok. Toi tu retournes en défense là. Ouais, il a pris tarif, ouais. Ok, maintenant tu vas là. On va aller sur Bossa en défense. Aïe. Trop tôt. Il meurt. Ça c'est bon. Il faut que je trouve Faras. Ok. Ouais, voilà. Non ? Bah.
Ouais, mais il n'y a pas d'autre chemin. Il faut ouvrir cette porte. Ouais, voilà. C'est une présence très inamicale là-haut. Qu'est-ce qu'il a ce gardien? Pourquoi il a l'air plus possédé que les autres lui? Est-ce que Pharas se bat là? Pour l'instant Pharas esquive mais... Alors juste, Mipha reste là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Il y a un gardien là. Boum, boum. Ah, Daruk a atteint sa destination. Daruk est là, ça y est. Meurs. Ok. Non. Urbosa. On attend toujours Daruk. Hein. Bon, ça, on va prendre cette porte, ce fort-là. Ah. Ok, Daruk est là. Non, toujours pas. Il va arriver. Ouais, bon. Hein. Je n'aurai aucune pitié. Comment ça, il est pas mort? Là y a du monde là. C'est normal ça. Bon. On va dire que c'est normal. Juste sur Bossa, je t'avais dit d'aller voir. Ouais, je t'avais dit d'aller voir Zelda. Remarque. Quand même du monde là. Mais non, mais les pires timings. Bam. Oui, d'accord, focuser l'autre pour ça. Il m'énerve. Meurs, meurs, meurs. Ok. Non mais voilà. On a toujours pas Daruk hein. Donc à mon avis, même quand on aura fini ça, ce sera pas fini. Ah, je l'ai pris dans, ouais, je l'ai bien pris dans la gueule. Ouais. Il y a des gardiens, ils ont disparu ou comment ça se passe? Il n'y a pas 12 gardiens à un moment donné en bas?
Ils ont peut-être été détruits par la créature divine. Faites pas, fais gaffe. Non. Mais non, mais non, 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 non. Ouais. Misclick. Allez, meurs. Non mais... Ouais, voilà. Ok. Le coup de grâce. Ouais. À mon avis, ce n'est pas terminé. Ouais. What? Ah ouais, d'accord, c'est bien la merde, ouais. Ah, ouais. Ah, Daruk est là. Mais MDR, mais Daruk. Non, mais Daruk. Alors que le Korogu. Mais est-ce que je peux jouer Daruk au bout d'un moment? Ah mais il y a des ennemis qui passent par là. Ok, Daruk est... Ok. Ok. Oh, ça va pas être la merde, non? Non. Non. Y'a pas 12 milliards d'ennemis, non. Ah merci Baruta. Mais non mais je voulais un TP là. Ouais. D'accord, bon, j'ai cramé beaucoup de nourriture mais... Ouais, je me focus pas sur les bons ennemis en fait. Donc Mipha, tu restes là, hein. Et on va protéger le pont. Bien. Bam. Il n'y a que cela pour te faire plaisir. Alors là j'ai les trois. On va aller prendre le contrôle du pont. Hein. On va essayer de rester sur le pont pour éviter de les faire rentrer quoi. Et si je jette ça? Bam. Ok. Ah, j'aurais pu charger. Au pire, je peux charger comme ça. Voilà. Et là tu meurs. Je sais pas si ça va mourir mais... Ouais. Ouais. Sac à PV. Et sac à merde. Okay.
essaie de surveiller le pont, mais pour l'instant je vois pas d'ennemis qui... Si, y a une axe de foudre là. Hein. Non. Allez, meurs. Meurs. J'aurais dû claquer ma foudre avant, mais bon. Bam, bam, bam. Adieu. Allez, adieu. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. J'ai compris. Non, Micha. Je vais faire mon possible. Alors, sale bait. Les gardiens volants, je pense que c'est les gardiens que je déteste le plus dans le jeu de base. Nouvel objectif. On va aller défendre le pont, hein. Non, 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 mais non, avancez pas là. Non, mais ils sont sérieux. Merci. Non, pendant l'instant, j'ai vraiment cru qu'ils s'en battaient les couilles de ce que je faisais, quoi. C'est une façon de faire. Ok, reste plus que des miettes, ouais. Allez. Mais ouais, ouais, voilà. Comment ça? Bon. Merci. Merci de sortir un paravoile. Sinon, ça me stresse. Je peux pas? Faut vraiment que je le fasse descendre à la mano. On va les faire descendre à la mano, hein. J'ai compris. Non mais saute. Non mais saute. Mifa, on va attendre qu'elle arrive. Ah oui, du coup. Tac. Et tac. Ah, ils ont pris cher en cas. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Et voilà, je lui ai réglé son compte. Bam. Bah voilà. Destruction. Pure et simple. Non mais arrêtez de me tirer dessus là! Au secours!
Ah, comme ça. Ah ouais, ouais, comme ça, ouais. Pas de cinématique de fin. Oh, oh. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait d'autres quêtes principales qui se débloquaient. Toujours plus. Non mais... Ah tiens, Kilton est de revenu. MDR. Et là, du coup... La bataille de la muraille des limites. Normalement, c'est cette bataille-là hein, qui est censée être la fin, finalement, du conflit de Breath of the Wild. Hein. Enfin, 100 ans avant Breath of the Wild. Bon, écoutez, moi je vais faire une pause. On va s'arrêter là, pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite, dans laquelle on va faire justement cette fameuse bataille. Portez-vous bien. Bye bye.